à cette story. Bon bah la débandade continue, qu'est-ce que je te dise hein. Déception sur déception, on s'attendait pas vraiment à grand chose, mais je suis déçu quand même. Moins que mardi dernier, mais je suis déçu quand même. Bon bah on va pas se mentir, hein. Même si ça me fait chier de le dire, on ne mérite pas d'être champion de toute façon. On a perdu beaucoup trop de matchs cette saison, je te parle même pas des matchs à la maison, ça j'ai pas compris, j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé de ce côté-là. Vivement le mercato et vivement la fin de saison. Et poche, Poto, poche, t'es arrivé en milieu de saison, je comprends que ce soit pas évident pour toi, mais là j'ai pas compris... Pourquoi tu nous as sorti Di Maria alors que c'était le seul qui a porté offensivement. Donc poche, je te comprends pas. Paris perd le championnat, c'est pas normal, donc je comprends pas non plus. Pourquoi on perd tout le temps à la maison, ça non plus je comprends pas. Bref, je comprends rien quoi. Et Kimpembe, c'est pas professionnel. Kimpembe, c'est pas la première fois que tu fais la Kaira quand ça se passe mal. Tu pètes un plomb, c'est pas professionnel. Donc maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va être en difficulté, tu vas t'embrouiller avec les gens? C'est pas possible, c'est pas professionnel. Non franchement je suis confus. Notre défense a été horrible et pas que ce soir. Hein. Alors la défense est dégueulasse. Mais c'est encore et encore toujours les mêmes qui nous sauvent hein, Marroquinhos et Navasur, sans qui l'addition aurait été beaucoup plus salée. De toute façon encore une fois on ne mérite pas cette année de gagner le championnat, à part le match contre le Bayern et le Barça. Et encore une fois merci Navasur, parce que sinon on méritait Walou, de chez Walou. Et là ça fait 3 cartons rouges en 3 matchs consécutifs. Qu'est-ce qui se passe les mecs? Je comprends pas. Qu'on n'ait pas le niveau en C1, ça passe encore, même si ça me fait grave chier. Mais on n'a pas le niveau en Ligue 1 non plus. Ouais, c'est la honte, ouais. Là, je le dis, ce soir, c'est la honte. Et on ne méritait pas plus. Le roi a tout simplement été mis en échec par la reine. La reine a mis en échec le roi. J'ai mal à la tête, poteau. Donc là, il n'y a pas photo pour le mercato, faut faire le grand, très grand ménage de printemps. Et pour le ménage, poteau, là, faut appeler tout le monde. Ah là, faut appeler Madame Doubtfire, Tony Micheli, les deux connasses de C'est du propre, Cendrillon. Ah non, encore mieux, faut appeler Madaron. Ah ouais, poteau, Madaron, c'est la bosse du ménage. Eh ben, tu sais quoi, je vais l'appeler tout de suite. Chiche, c'était pas prévu, hein. Vas-y, j'appelle Madaron. J'appelle Madaron. Ah, il faut, là, faut au grand mot, les grands moyens. Là, faut que j'appelle Madaron. Attends, je mets le haut-parleur. Allô maman, Selem, ça va? Ouais, ça va, Wilde. Cool. T'as vu Paris, ils ont perdu? Ah bon, ils ont perdu. Ouais, on a perdu, on repère, là, c'est un peu la merde. Du coup, pour le mercato, c'est quand ils achètent des nouveaux joueurs et tout, donc là, il va falloir faire le grand ménage. Et t'as vu, comme ça parle de ménage, j'ai pensé à toi, t'as des idées pour faire le ménage à Paris? Ménage à Paris? Bah, ouais. Tu payes ma tête ou quoi? Ouais, non, c'est... mais franchement, tu dis n'importe quoi. Non, mais faut faire... Ménage, fais-le chez toi d'abord avant d'aller à Paris. Bah, je le fais le ménage chez moi. Oh, bah, tu parles. Si je viens, tu vas voir qu'est-ce que je vais trouver. Qu'est-ce que alors, tu... Alors, t'arrêtes tes conneries. Qu'est-ce que tu vas trouver? Ah, donc, dès l'entrée, hein. T'inquiète pas, hein. Surtout la cuisine, hein. Ok. Bon, ouais. Allez, merci. On se rappelle. Je me fais mettre à l'amende par mon équipe, je me fais mettre à l'amende par Madaron. Vas-y, c'est bon, c'est une sale journée aujourd'hui. Bon bref, j'arrive pas à rester sérieux trop longtemps, mais en tout cas, quand je parle de ménage, c'est que j'ai hâte de voir certains départs. T'as capté? Vivement la fin de saison, vivement l'Euro, j'ai hâte de vivre ça avec vous, parce que là, c'est plus possible, y a aucune envie, c'est incroyable. Je suis tellement énervé, mais en vrai, j'ai surtout été déçu cette semaine-là. Moi, je me souciais que de notre place en Ligue des Champions, et là, c'est un coup en plus au moral, tu vois. Parfois, carrément, je reconnais même pas mon équipe. Là, y a plus dame. Franchement, c'est... Inch'Allah que vous finissez quatrième. Qu'est-ce que tu racontes, toi, encore? Y'a Mbappé qui prend l'avion ce soir pour Madrid. Il quitte le Titanic avant le match de mercredi. Tu la fermeras jamais, ta bouche du Rhône, toi. Mais vous êtes tellement nuls. Vous allez faire une saison blanche. Mais poto, je t'ai déjà dit, c'est quand le chalutier rentre au Vieux-Port qu'on compte les sardines. La Coupe de France n'est pas terminée et toi, tu vendrais le sèche-cheveux de ta daronne pour la gagner, cette coupe. En plus de ça, Neymar, il a prolongé pour continuer à vous chier dessus pendant des années. Allez, marche une heure! Bref, je suis dégoûté. Poche, je comprends pas tout, il me fait chier, mais on va quand même le laisser faire une saison complète avant de le critiquer. Et sur ce, bah, vivement que la saison se termine. Et puis, bah, bye bye le titre.